هين طناني سناء برقاش احنا مؤسسين ديال مروكن هاند سيلك اللي هي اول ماركه مغربيه للرسم على الحرير. احنا اليوم جد مسرورين نشاركوا في هذا المعرض اللي تيجمع بزاف الفنانين من افاق مختلفه بلا كوليكسيون ديالنا اونتر توا لي سوا. كوليكسيون ديالنا اونتر توا لي سوا وفيمينان هي جات بواحد نظره مستجده، دونك تجمع ما بين كل ما هو فن تشكيلي لوحات كلاسيكيه بالزيت او بالاكريليك مع الرسم على الحرير. دونك كاين قطعه من الحرير فنيه مرسومه باليد هي اللي تنضفناها لهذه المجموعه، ومن هذا المنبر تنشكروا بزاف الفنان الكبير الاستاذ احمد الحياني، الفنان معروف على الساحه الوطنيه والعالميه، على التاطير ديالو والمساعده ديالو لينا. هو استاذ ديالنا منذ ما يناهز او ما اكثر من 10 سنوات لحد الان. فوالا دونك حنا اليوم جد مسرورين وتنشكروا دونك هاد لا غالري ليفين فور ارت على هاد المبادره اللي محتاجين لها في هذا الوقت، شويه ديال الفن شويه ديال الالوان باش نحيدوا شويه ديال هاد توسكي غريزاي في هاد الظروف الحاليه. دونك جو بارتيسيپ ا سيت اكسبوزيسيون بور اون تيماتيك تري بريسيز سي لوسيون لا مير avec ses divers formes, couleurs, ondulations, afin de vous plonger dans une dimension qui va vous laisser apaiser, plus de relaxation, plus de calme. Et voilà, surtout j'ai misé sur la couleur bleue, qui est connue par ses bienfaits, ses facteurs bénéfiques sur l'esprit et l'âme. Voilà, je vous présente des tableaux. La thématique, c'est l'océan, la profondeur de l'océan, le sous-marin, les vagues. Pour un petit peu une déconnexion de ce qui se passe actuellement avec cette pandémie, sorte de break, sorte de déconnexion totale. Voilà. Smiti Ben Abou Abou Nasser, je suis chef d'entreprise et j'aime l'art dans toutes ses formes. Aujourd'hui, j'expose les quatre tableaux d'une série qui m'a été inspirée de mes voyages. Et mon voyage, ma dernière escale, c'était au Ghana. Et de là, j'ai essayé de travailler sur ce qu'on appelle les empreintes, l'empreinte du temps et la duplication. Une personne dans cette galerie m'a dit, et ça ressemble un petit peu, ce sont des tâches que peut présenter un psychanalyste à des gens pour les interpréter. Probablement, mais en tous les cas, ça peut être même une thérapie. L'essentiel, l'art, c'est une expression qui peut produire de la joie comme il peut prendre de la tristesse. Iman Manser, ingénieur d'État, doctorante et artiste peintre autodidacte. Je suis très ravie et très contente de participer à un tel événement et c'est la première fois que j'expose mes tableaux dans une galerie d'art. Alors j'étais toujours passionnée par l'art depuis mon plus jeune âge et la peinture était pour moi ma seule échappatoire au stress de la vie et au stress des études et de la vie en général, parce qu'elle me permet de m'exprimer en toute liberté, sans règles ni limites. Alors je me spécialise en art naïf et dans mes tableaux j'essaie de mixer entre l'art naïf et un peu d'art cubiste aussi, avec une touche africaine. Avec une touche africaine et en utilisant des couleurs que je choisis intuitivement selon mon état d'âme, selon mes émotions et mon inspiration. Merci. Faire partir de cette exposition avec ces jeunes artistes. Mes tableaux reflètent la souffrance humaine. Je peins des corps humains en différentes formes et d'états affectifs. Vous allez trouver la colère, vous allez trouver la douleur mentale. Durant ma formation en médecine, je me suis demandé si le corps émotionnel ou mental affecte et influence la maladie ou le bien-être du corps physique. كان نرسم مني كنت صغيرة، تعلمت مع الوالد ديالي مني كان عندي 4 سنين وأنا كنرسم، وطورت الموهبة عندي غا بأوتوديداكت، يعني تعلمت غا بوحدي بالتجربة وبالبراتيك وبفضل البابا اللي كان كيزيد يعاونني في لي ديتاي. أسماء بن جقران، أرتيست بانتر.
جينا اليوم هذا الرواق Living for Art باش احنا ومجموعة ديال الفنانين باش نتبادلوا آراء والإكسبيريونس ولو سافوار فير ديالنا et aussi pour que les artistes liyallahdaw tissefdou men l'expérience ديال les artistes professionnels c'est ma troisième exposition et cette exposition hadi elle consiste سميتها بعدا افاق الافاق c'est معناتها la grandeur la liberté, l'ouverture à l'autre et la vision de l'horizon. Ma technique est l'abstrait. Et pourquoi l'abstrait? Parce que je trouve une liberté fait où on a toujours l'impression qu'on n'a pas encore terminé notre tableau et c'est le visiteur qui vient et qui commence à voir des choses et c'est là où on voit que notre tableau est achevé et ça j'aime beaucoup parce que ou le visiteur elle comme avec tableau ديالنا بجوج voilà c'est ça la beauté de la chose et le plaisir surtout voilà. Bonjour, alors je m'appelle Rima Dakou, j'ai 19 ans, c'est mes débuts en art. J'ai commencé par le dessin, puis je me suis lancée dans la peinture et franchement je regrette pas. Là j'ai présenté des portraits de femmes vu que avec beaucoup de couleurs et j'utilise beaucoup le bleu. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui signifie pour moi l'espoir et j'espère vraiment continuer et en arriver là où je veux en arriver. أسامة بن عبو فنان تشكيلي وطيار في الخطوط الملكية المغربية. بديت المسيرة ديالي في سن 6 سنوات ومن بعد اكتشفت الموهبة ديال الصباغة في 2011 سي لا كجي كومونسي افير دو لا بينتور اي غراس ا مي فواياج اي مي ديكوفيرت جو مي سوي دوني ا لا بينتور ابستريت avant je faisais de la figuration maintenant je fais de la peinture abstraite et mon but avec cette peinture abstraite c'est d'arriver à l'international, de toucher les musées internationaux, toucher les galeries internationales et pouvoir exprimer ce que je vois à travers mes voyages, à travers ma vue du cockpit, à travers mon hublot, ce que je vois, les couleurs que je vois, j'essaie de les exprimer en couleurs et en peinture. Bonjour, je suis Loubna Eidiwan, âgée de 27 ans. Je suis artiste peintre depuis moins d'un an. Je viens de commencer et c'est la première exposition que je fais. Donc je traite le thème de la femme. Donc j'ai appelé le thème Anamra pour rendre hommage à la femme qui ne cesse de combattre pour son indépendance, ses rêves, son corps et plein d'autres choses. Donc à travers mes œuvres, j'ai essayé de traiter plusieurs sujets liés notamment à la femme. Comme par exemple la confiance, l'acceptance, la différence. Et donc comme on peut le voir, une femme qui marche dans la voie pour réaliser ses rêves, une femme qui s'accepte telle qu'elle est, une femme qui est libre. Et dans d'autres tableaux comme celui-là, la positivité de la femme et sa capacité à faire que les gens sourient. Et une femme aussi qui essaye de réaliser ses rêves en saisissant toutes les opportunités qu'elle trouve en place. Voilà, merci beaucoup.
Les tableaux que je partage aujourd'hui avec vous lors de cette exposition, il y a ce premier tableau qui est relatif aux danseurs. Je suis passionnée de danse depuis une dizaine d'années et pendant la période de confinement, ça a été une manière d'exprimer un peu ce manque que nous avons vécu, notamment à travers la peinture, mais aussi le deuxième tableau qui est relatif à libérer le passé. Et bien, pendant le confinement, ça a été une période où on a pu exprimer et peut-être faire évoluer nos états d'âme. C'est une comment dirais-je, une manière de dire au revoir à la version précédente de nous-mêmes et d'évoluer vers une nouvelle version. Bonjour, Zimbe Idrissi, artiste peintre. Je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie de cette exposition collective qui nous a permis à la fois d'exposer nos œuvres artistiques au grand public et aussi de faire connaissance d'une panoplie d'artistes de différentes écoles. Donc, quant à mes œuvres artistiques, donc, comme l'indique le titre de cette exposition, il s'agit d'un reflet de mes états d'âme qui se manifestent à travers un jaillissement de couleurs naturelles. Donc on retrouve des couleurs de nature et aussi une touche de lumière pour nous rappeler effectivement la gaieté, le bonheur, l'allégresse et notamment l'espoir. Merci. Ma'akoum Bilal Bartali, artiste peintre. بديت لاغ ديالي من صغري حتى انا وانا كنرسم وهذا سي ان طرافاي اللي درتو بديت لو بروجي اون 2014 الوغ خدا ليا واحد 4 سنين حيت لو بروجي اللي كانت ليدي اللي كانت عندي سي 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 كوليكسيوني نجمع لي جورنو اللي كاينين في العالم دونك اشاك فوا كنمشي لشي بلاصه كنمشي لشي بلاد كنمشي لشي مدينه كنقلب على شي جورنال ديالهم دونك واحد 4 سنين ديال الفواياج وجمعت منها جوج باليزات ديال لي جورنو وبغيت نبينهم في دي طابلو دونك كيف ما كتشوفوا كتلقى ان طابلو فيه بلوزور جورنو كوليكسيوني كما قلت لكم من كل بلاد وكل طابلو فيه ان مونومون كي ريبريزونت المدينه باغ اكزومبل درت لا ستاتو دو لا ليبرتي ديال نيويورك درت لو تاج محل كي ريبريزونت بيان سور سي اون دي سات ميرفي دو موند ou bien sûr la tradition marocaine. La tradition maghribia. Bhal badiel New York, j'ai imaginé la statue de la liberté bouhad el bligha maghribia qui représente un patrimoine dialna tahnaya dial maghrib. Le Taj Mahal d'ailleurs l'inspiration de l'Égypte, le Taj Mahal trilt dik el qabba dialo bhal fkratni f brad, el brad taqlidi dialna. Donc et bien sûr le brad taqlidi là c'est une référence بالنسبه للمغاربه هي اللي كنعبروا بها على الضيافه ديالنا حنايا على البراد الذاتي عنده واحد القيمه كبيره في كل عائله مغربيه دايوغ المغربي لي كونو بار لو تي à la menthe marocaine donc et voilà kima qlit lkom c'est un travail qui m'a pris واحد 4 سنين j'y crois j'y ai cru ou بقيت حتى جمعت دوك لي assez de matériel باش صيبت هاد لي طابلو هادو عندي 6 bien sûr qui représente les 5 mais on dit les 6 continents du monde au fait de l'exposition of living for art exposé 3 Je vais la considérer comme ma deuxième exposition et j'expose à la galerie Living for Art de Casablanca et je travaille pour la cause féminine en tant qu'artiste et je défends bien sûr la femme et sa liberté d'expression. Ainsi, je trouve mon travail en fait c'est un retour vers l'origine et je trouve que le corps de la femme n'a rien de tabou. Voilà. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا